vous souhaite à tous une agréable semaine. Faut garder le sourire tant qu'il y a la santé, tout va bien. Faut garder le sourire tant qu'il y a la famille, tout va bien. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, bah moi je suis pas toujours pas maquillée hein, parce que voilà. Donc je vous montre les courses que j'ai achetées. Tout d'abord, pour 2,20€, j'ai acheté des cannelloni. Parce que je suis une feignante en ce moment, j'ai pas envie de faire de course. Donc, je suis contente parce que j'ai retrouvé les panzani, j'aime beaucoup. Et de temps en temps, je me fais ça, ça me fait 2 jours. Et je vais vous montrer ce que ma petite voisine adorée m'a fait, m'a apporté. Alors là, vous avez une escalope. Ici, vous avez une escalope. Et là, vous avez une omelette au fromage. Donc, j'en ai pour 2 repas. Et top, alors du coup, elle est trop mignonne. Je me suis pris des pois chiches au cumin et à la coriandre. Ils sont tout prêts à manger comme ça. Je vais rajouter avec de la tomate et avec du jus d'orange comme j'ai fait l'autre fois. Je les ai payés cher. 2,40€, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près 2,40€. Ensuite, on fouille. Hein. J'ai voulu prendre des petits irrésistibles. Je cherche vous savez, j'ai un budget à tenir parce que voilà, je mets beaucoup d'argent de côté, donc j'ai un budget à tenir. Donc voilà, je fais attention. Je sais que j'ai 25€ pour Ivy par mois. Donc il faut que je fasse attention. Donc là, je lui ai pris des petites friandises, mais je préfère des friandises autrement. Mais pour l'instant, je fais ça. Et bien sûr, toujours les sacs. Et j'ai pris des raviolis aux légumes, 2,40€ bio. Voilà, pour un midi, je trouve ça pas mal du tout quand on n'a pas envie de manger. C'est bio, franchement, jardin bio, voilà. Ensuite, j'ai pris 2 kiwis. 2 kiwis. 2 kiwis. Je n'en ai plus qu'un, mais tant mieux. Si Sybille achète un kiwi puis en achète un autre, combien de kiwis a-t-elle en tout? J'ai pris 2 kiwis, mais j'en ai pris qu'un seul. Voilà, 60 centimes pièce. Vous savez que la belle vie, les fruits et légumes, c'est un peu plus cher qu'ailleurs. Hein. Mais c'est le seul truc, sinon le reste, c'est moins cher. Là, un avocat, 80 centimes. Voilà, un avocat, 89 centimes. Et puis, des citrons d'Italie, 49 centimes. Waouh, j'en ai pris 3, mais ils viennent d'Italie. Vous avez vu comme ils sont beaux, 49 centimes. Il n'y a rien, je vais tomber. 5 bananes, 1,20€, 1,50€, 1,45€, je crois. Ouais, ça doit être 1,45€ les 6 bananes. Et un oignon rouge, j'ai payé 49 centimes, il est énorme. Les seuls trucs de la belle vie, c'est ça en fait. Mais si vous voulez commander au supermarché, maintenant c'est 25€ pour commander. Et 2,50€ la livraison, ça va. Hein. J'en ai pris un, ils m'en ont donné 2. Alors là, je sais pas, ils ont tout mis en double. J'en ai pris qu'un seul, ben j'en ai 2. Hop. Ensuite, bah ouais, alors là je me suis pris des desserts. Panier Yoplait, j'ai payé ça 1,40€ ou 1,25€. C'est plus de fruits abricot, nectarine, n'importe quoi. Je suis en harmonie avec mon décor. J'adore cela. Avant j'achetais de la brebis, mais voilà, il va falloir, comme je vais être à la fraîche, il va falloir faire attention. Donc je les adore, j'ai payé 2,20€. Franchement, ils sont trop bons. Ils sont bons jusqu'au... Ouais, c'est bon. Voilà. Franchement, je vous les recommande, les Yoplait Nature sucrés au sucre de canne, ils sont très très bons. Là, je vais m'en manger un. J'ai pris du jambon 25% de sel, j'ai payé les 4 tranches 2,20€. Je me suis pris, ça c'est une nouveauté, je ne connais pas du tout. Double mangue plaisir, alors vous avez le plaisir en fait, c'est ça qui est bien, c'est d'avoir des nouveautés sur la belle vie. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu en magasin. Voilà, je l'ai payé, par contre j'ai payé 1,69€. C'est double mangue, plaisir. Voilà, regardez l'aspect que ça a. Et apparemment, c'est... Voilà. Alors là, Damien de Gaïa un chien. Abonnez-vous à la chaîne de Gaïa un chien. Vous êtes déjà abonné, je suis sûre. Figurez-vous que l'autre fois,
Damien, il fait des courses, il fait 3 par 3. Il met tout 3 par 3. Lui, il n'en a rien à faire, c'est tout 3 par 3. Donc, il a pris 3 lots de 3 de surimi. Ça leur fait 9 paquets. Et en fait, c'était des surimi en petits machins. Moi, j'ai pris juste comme ça, un paquet. Mais eux, du coup, ils ont 9 paquets. Donc, ils vont manger tout. Tout est en 3. Allez voir la vidéo, vous allez rigoler leur dernière vidéo. Et ils ont un TikTok. Ça doit être deux gars et un chien, le TikTok. Là, j'ai pris des mentales râpées, paysans bretons, tiens, petits bretons, la Bretagne, les petits bretons, qui connaît les petits bretons, hein, c'est Guigui. Voilà, et ben, et mentales français râpées, je n'ai pas besoin de dire que tout le monde s'abonne, tout le monde est déjà abonné, donc il n'y a pas de souci. Voilà, hop, et j'ai pris Maminova, mandarine, citron vert, je les adore, 1,40€. 1€ et des bananes. Et puis j'ai pris, alors ça, c'est, alors par contre, je ne m'attendais pas à ça, qu'elle me fasse à manger. Oh putain, ça a l'air bon, regardez. Des légumes grillés, mais je vais les congeler. Malheureusement, je vais les congeler parce que j'ai le manger pour ce midi. Il me semble qu'il me manque des choses. J'en ai eu en tout pour même pas 40€. Voilà, j'ai de quoi faire entre les courses que j'ai fait hier et aujourd'hui. Voilà, j'ai un budget, je ne veux pas dépasser les 60€. Je commence à m'habituer à être comme ça, même pour la retraite. Ce sera comme ça, il ne faudra pas que je dépense 60€ par semaine de plus. Et j'ai le droit, après j'ai des sous pour, j'aurai des sous pour m'acheter des petits trucs si je veux. Mais voilà, genre aller à Action, mais je ne vais pas à Action, mais, ou d'autres trucs, quoi. Voilà, si j'ai besoin, j'aurai de quoi faire. Mais voilà, c'est un budget, je vous en parlerai quand je serai à la retraite, là, bientôt, j'espère. Je vous en parlerai parce que je fais un budget retraite. Je me mets 60€ par semaine que j'ai calculé. Et là, en ce moment, je mets 700€, enfin, je mets déjà 160€ par mois de côté tous les mois. Et là, je suis en train de mettre 400. Donc, ça me fait 560€ que je mets tous les mois de côté jusqu'à ma retraite. Voilà. Bah ouais, il faut... Voilà, tant qu'on peut, hein, on le fait. Hein. Voilà. Du coup, ben ça, j'ai pas envie de le perdre. Alors, je vais quand même voir légumes provençaux grillés au barbecue. Je suis déçue, je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas du tout légumes grillés provençaux comme je connais. Bref, je l'ai payé 3,50€. On va pas... tergiverser. Je vous ai montré mes petites courses. Voilà, c'est des petites... Je crois qu'il me manque des choses, mais il faut que j'aille vérifier ma carte, là. Et par contre, je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis deux concombres et deux kiwis, mais c'est très bien. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vais vous montrer Ivy. Ouais, je suis un petit peu fatiguée, mais ne vous inquiétez pas. J'ai vu la kiné, elle m'a dit, il faut que je voie le kiné. Et puis, j'ai vu ma responsable hier, elle est restée, ma responsable. Ma spécialiste hier, elle est restée avec moi. Elle ne consultait pas. Elle consultait pas. Et elle l'a fait pour moi, en fait. Voilà. Pour moi, elle a fait... Attendez, je bouge encore un peu. Voilà. Pour moi, elle l'a fait. Elle est venue. Parce qu'elle me connaît. Parce qu'elle sait, elle me connaît depuis des années, des années. Elle a dit, oh là là, elle n'est pas bien. Madame Bitton, on va faire ce qu'il faut. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit, ouais, je vois bien. Et du coup, ben voilà, il faut que je vive avec et il faut que je fasse ma kiné vestibulaire. Et elle pense que j'ai un problème au niveau de la vitamine D, que je ne la fixe pas. Donc, j'ai une ordonnance, elle est grande comme ça, je ne vous dis pas. Maintenant, il faut que je rajoute la vitamine D. Ah ouais, j'ai un check-up total de la prise de sang, mais quand je serai mieux, parce que là, pour l'instant, je suis un peu fatiguée. Et quant au vaccin, pour l'instant, je ne le fais pas. Parce que je suis fatiguée. Après, j'ai pas envie de le faire, mais on verra si j'ai pas le choix. Mais pour l'instant, je m'abstiens. Parce que je suis fatiguée. Bon, bah voilà. Voilà, voilà mes petites courses. Je suis sûre qu'il me manque des trucs. Non, bah non, bah non. Voilà, j'ai tout ça en dessert. Parce que c'est pas forcé de prendre des clafoutis, hein. Regardez. J'ai tout ça en dessert. Rien que pour moi. Pour la semaine. Mais j'en aurai plus pour la semaine. Voilà, donc je vous dis, j'ai fait en gros 60€ par semaine, mais je peux très bien dépenser moins, mais j'ai 60€, voilà. Pour moi toute seule. Ça va, hein. Bon, ben sur ce qui fait que ça fait 240€ à peu près par mois de nourriture pour moi. Voilà, il faut faire un budget, parce que quand on va à la retraite, et ben, ou même quand on a besoin, ben, on fait un budget. Moi, j'ai toujours fait des budgets. Mais avant, je les respectais pas. Je les respectais tout le temps, mais
franchement, j'étais à zéro parce que je pouvais mettre de côté que 160 euros. Je pouvais pas mettre plus parce que j'allais chez Action, j'allais acheter plein de trucs. Mais regardez tout ce que j'ai. Peut-être ça vient d'Action, mais je l'ai. Voilà. Non, ça vient de Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix, voilà. Mais tout ce que j'ai, c'est comme je vous dis, voilà, ça c'est Action. Ça c'est pas Action, je sais plus ce que je voulais acheter ça. Le plateau, c'est Action. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Je vais montrer un petit peu tout ce que j'ai d'Action. Toutes les fleurs, la bougie, Jésus, c'est Action, pardon. Ensuite, je vous montre un petit peu. Alors, Action, j'ai tout rangé en fait. Ouais, j'ai tout rangé, j'ai les fleurs, regardez. J'ai la fleur, j'ai le petit panier pour Ivy. Pardon. J'ai ça que j'ai acheté, voilà. Regardez, il est trop beau. Franchement, il est trop, trop joli. Regardez, hop. Voilà, et puis, dans la chambre, il y a la plante qui vient de chez Action. Tous les décors là, oh, c'est l'invention totale, hein. Tout ça, ça vient de chez Action. Voilà, et ça, c'est ma tête de lit. Alors, vous savez ce que c'est? C'est tout simplement des croisillons de jardin. Et j'ai mis plein de trucs d'Action, quoi, des herbes d'Action, des trucs d'Action. Voilà. Ça, je crois que ça vient d'Action. J'ai beaucoup de choses qui viennent d'Action. Hein. Mais voilà, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que je les ai, que je ne les ai pas gaspillées, mais que, voilà, à un moment donné, je suis passée à autre chose. Comme ça, j'en ai quatre comme ça. Imaginez. Mais tout, j'utilise tout. Ça aussi, ça vient de chez Action. C'est la plancha. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Vous inquiétez pas, je vais bien. Voilà, et je vais ranger mes petites courses. Et j'ai hâte de manger ça, en fait. Alors, vous savez que c'est vrai, je vous emmène toujours avec moi pour ranger mon frigo. Viens, je t'emmène. Allez, voilà mon frigo. Alors, allez. Yaourt. Alors, je vous conseille de mettre toujours des caisses comme ça parce que des fois, ça peut faire des glaçons. Faut éviter. Hop, c'est le truc qui s'est cassé la goule. Ah bah, attendez, faut que je le ramasse là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Du coup, ceux-là, je vais les mettre dessus. Voilà. Tout ça, c'est mes desserts. Je vais mettre ceux-là ici. Là, je vais mettre le gruyère. Bon, je mets ça là. Voilà, gruyère jambon. Tout ça, je sais que j'ai pas besoin de le mettre dans le frigo. Ça, je vais le mettre là. Attendez. Je vais le mettre ici. Ça se met pas dans le frigo. Bon, pour l'instant, celui-là, on va le garder comme ça, sous le coude. On va le mettre là. Bon, il n'y a rien en dessous. Je vais le mettre ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Les pois chiches, je ne sais pas s'il faut les mettre au frais, je vais les mettre au frais. Voilà, voilà mon petit frigo rangé. Alors là, il y a des trucs, hein. Il y a des pommes de terre. Il y a des. Alors franchement, j'ai été au nouveau magasin, je le déteste. Un nouveau magasin hier, parfum vanille extra moelleuse, normalement elles sont sucrées, elles sont dégoûtantes. Mais vraiment, elles n'ont aucun goût. Je ne sais même pas si je vais les manger. D'habitude, ça me fait une journée. Voilà, bah, j'ai rangé mon frigo. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Mes petites courses, en plus le petit budget que je vous ai parlé. Je vous fais plein de bisous. I love you. Je t'ai dit, je te quiero, ti amo. Bye bye. Abonne-toi et active la cloche.